Je veux savoir la petite fille qui est venue à son père. L'orphelinat, bien sûr. L'orphelinat. On a reçu une petite là. Oui. C'est les policiers qui l'ont envoyé à l'orphelinat de Taïwa. Parce qu'elle est orpheline de mère. Et elle a une histoire. Elle allait dans un camp de prière. Ils l'ont enchaîné. Comme Tarzan. Son milieu, on a enchaîné Minou là. On l'a enchaîné là-bas. Donc la petite, quand la déjà s'est évadée. Elle arrive au corridor de Gagnoua, la voix de Ragagno, bien sûr. Et puis, c'est les policiers qui l'ont interpellé. Et ils ont décidé de l'envoyer dans l'orphelinat de Gagnoua. Et c'est arrivé là-bas, les gens sont imprégnés de son histoire. Il s'avère qu'elle-même, elle a mangé sa romaine, sauce tigliti, sauce graisse, un foutu banane rouge. Bien mûr. Elle a gâté la vie de son papa, qui est là. Et donc son père, en quête de délivrance, va la mener dans les centres de délivrance où elle a fait 2 ans sans être délivrée. Donc c'est l'orphelinat qui m'appelle à Abidjan. Il y a un prophète qui a dit, voilà, si c'est trop, c'est 5 minutes. Lui délivre les gens. Et quand il me suis imprégné de dossier, il dit aux gens, amenez-la rapidement. Parce qu'on a besoin de cette personne pour les aider et tout ça. Donc c'est depuis qu'ils sont venus. Et j'ai exigé que son papa vienne avec elle. Ils ont pu retrouver le père qui est là. Voilà, j'ai demandé que son père vienne pour prendre des engagements. Et parce que tout compte personne veut s'occuper de l'enfant, on ne va pas l'écarter de son père, de sa famille biologique. Et on va faire de telle sorte qu'elle reconnaît sa famille biologique. On fera de telle sorte que même le père vient de temps en temps rendre visite. Mais tout qu'on fait, ce lien-là, on ne pourra jamais briser ça. On va créer toujours le pont. De temps en temps, il ira aussi avant quand se près de ses parents. C'est à cause de ça, justement, nous avons construit l'orphelinat. Si on n'avait pas l'orphelinat, il fera comment? Parce que eux, ce n'est pas leur spécialité. Ils étaient déjà victimes de ça. Alors, l'orphelinat, tout le monde est né sorcier. Les enfants commençaient à initier les gens là-bas à l'orphelinat. C'est nous, le président, moi, Armel, tout le monde à Taïwa. On a fait délivrant des petits sorciers. Des enfants qui peuvent manger quelqu'un en 2 minutes. Un sort d'unglé. Moi, un sort d'unglé, placalé. Et puis, on les a tous délivrés. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs à l'école de Taïwa. Nous les encadrons, les suivons. Donc, le monsieur a dit. Le prophète peut l'aider dans sa délivrance. Donc j'ai demandé à son père, j'ai demandé au moniteur de l'école de rentrer en contact avec le père. Voilà, parce que le père doit prendre des engagements. Et Dieu merci, il a répondu. Voilà, il a répondu, il est venu avec l'enfant. Et nous avons fait quelque chose ce matin. Non seulement ça, nous avons aidé l'enfant et nous avons aidé le parent. Bien sûr, le prophète Crasso, comme je vous expliquais hier, c'est l'église Pentecôte, c'est les responsables. Et au sein de cette église, c'est un ministère de délivrance. Nous mettons beaucoup l'accent sur la délivrance des sorciers. Et dans le cas express, votre fille, on l'a retrouvée dans la rue. Donc c'est interpellé la conscience des autorités qui ont décidé de mettre la petite à l'abri de beaucoup de dangers. Parce que l'enfant a son droit. L'enfant, vous voyez là, ils ont su leur droit. L'enfant a droit à un droit. L'enfant a droit à vivre dans un environnement bien sain où grandit. L'enfant aussi a droit à l'éducation, à un bien-être. Ça c'est important, doit jouer comme tous les enfants. Voilà, donc nous, quand on voit un enfant en difficulté, nous, ça nous interpelle. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant peut être sorcier. C'est pour ça que nous, quand les enfants sont sorciers, on les délivre. Mais après la délivrance, nous créons l'atmosphère pour que l'enfant, les parents puissent accepter l'enfant. Si jamais le parent a peur de l'enfant, nous récupérons l'enfant pour le mettre, pour le protéger et lui donner l'éducation. Voilà, ça c'est vraiment important. Really donc, vous êtes devant l'église, nous voulons savoir justement l'histoire en 3 minutes. Pour résumer votre histoire en 3 minutes, three minutes. Et nous allons prendre des engagements tout à l'heure. And after take
Some commandments. Vous présentez devant l'église. Introduce yourself. Je suis Constant Boga. Constant Boga. Du village de Payopa. Payopa, c'est sur l'axe Ubenganwa. Ah, Payopa. The way to. Et donc, à trois ans de cela, je suis en sécurité, je suis militaire. Je suis affecté, je suis en train de dîner la frontière. Elle qui est là, c'est ma première fille. Sa mère, elle était baoulée. J'étais avec elle tout tranquillement, donc elle était enceinte de mon deuxième bébé. C'est sûr. Donc elle allait accoucher. Elle, les parents maternels, sa grand-mère. Sa grand-mère qui l'a initiée. Je suis à la frontière en train de sécuriser le pays. Et moi, on me tue ici, ma femme et mon enfant. Et on me tue ici, on me bouffe, ma femme et mon enfant ici. Et son équipe. Donc, elle a fini avec sa maman maintenant. On lui demande de minimum me livrer pour qu'elle soit reine des reines là-bas. C'est compliqué, je tire à la frontière. Je travaille dur pour que ça aille. Mais du coup, moi-même, mon service, on me dit, voilà, je dois mon matricule appartient à quelqu'un d'autre. Ils vont me redescendre mon service. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, elle, je l'avais fait venir auparavant quand sa mère a décidé à Gagnon ici. J'ai payé d'école. Elle ne veut pas aller à l'école. Quand elle est à l'école, elle dit que c'est toujours une merde. Les esprits viennent, sortent de la place. Sa place est où? Allez manger. Allez manger, vraiment. Et donc, moi, je ne crois pas. Il lui demande, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis militaire. Je vois l'ennemi en face et peut-être je me défends. Mais je ne vois pas la société. Qu'est-ce que c'est? Il faut me dire en toute franchise. Et elle me l'a prouvé par plus de. Parce que en... Comment elle t'a prouvé ça? Là, je me déshabille. Elle m'a gâté le corps, tout ça. Et comment? Elle t'a gâté le corps. Elle m'a gâté le corps. C'est-à-dire, quand je pose avec une fille, elle ne veut pas. Parce qu'on me dit non, elle ne doit pas durer dans cette espèce de vache de tout. Elle ne veut plus que j'approche une femme. Elle a fait quoi? Elle m'a détruit le corps avec des boutons partout. Quand je suis avec une fille aujourd'hui, le lendemain, je suis rempli d'égal. Ah ouais, il faut payer trois fois des choses pour effacer. Je suis retourné chez ma maman et je suis avec pas de ma mère, elle est là-bas. Ma maman, elle coule avec elle. C'est un problème. Elle ne veut pas qu'elle coule avec ma famille. Elle coule avec ma soeur qui est femme. Du coup, elle ne veut pas les causer. Elle ne veut rien du tout. Elle se rend, je suis avec elle. Elle est contente. C'est ça. Hein? Mamie, ça va? C'est ça. Donc, là, vraiment, c'est un problème que je ne comprenais plus. Il a fallu que je cherche une église. Là où je l'ai mis, elle a fait 2 ans. Elle ne s'est pas dépassée. Tout en train de se faire. C'est compliqué. Moi aussi, je pense qu'étant loin et caché, ça peut me sauver. Donc, je me cache aussi. C'est comme ça que la fuyage. Merci beaucoup. Les chaînes, j'ai payé 2 grosses chaînes, mais si je vous envoie ça ici, vraiment ça fait peur. Mon militaire, il ne peut pas couper. Elle saute ça ici avec moi. Avec quoi? Elle saute. Ça fait 3 fois, elle s'est évadée. Et la dernière fois, elle s'est évadée. Elle partait donc dans cette direction-là. Le pasteur chargé de prier les enfants d'orphelinat. Elle est allée trouver le pasteur. Pray for the office. Non, c'est la police qui l'a envoyé là. Oui, mais elle a trouvé le pasteur, l'homme de Dieu, au corridor. Ah, okay. Et donc, elle expliquait son problème. L'homme de Dieu a dit, mais qu'est-ce que c'est? L'homme de Dieu revient à la police pour dire, voici, elle a un esprit qu'il faut, elle va tout de suite te blaguer, toi tu as une voiture, tu la prends, tu la mets depuis ton voiture. Donc l'homme de Dieu cette fois-ci a été puissant et il a approché la police pour dire que voici. La police me reconnaissait déjà cette petite fille. Une fois, mais toi, c'est pas toi qui es passé par là. Cette fois-ci, Dieu fait que tu es avec un homme qui prie pour l'orphelinat tout. Et donc, c'est pour ça que la police va confier. Enfin, nous, on a la petite fille, elle nous dispose tout le temps. Et on ne connaît pas son père. Donc, occupe-toi de lui. C'est comme ça que l'homme de Dieu l'a pris, passé avec lui à l'orphelinat. Et ensuite, il a demandé, il a maintenant donné la position de son père. C'est comme ça qu'ils m'ont retrouvé jusqu'au village. Il vient du champ, tout fatigué. Voici la petite fille que j'ai. Tu vois, mais que ta fille est revenue ici. Ah, Seigneur. Il fait comment? Je voulais me retourner même au champ. Il ne veut pas la voir. Franchement, je veux. Elle sait. Je lui ai dit que, mais franchement, c'est la fille que j'adorais plus, mais je ne sais pas si elle peut t'aimer actuellement. C'est difficile. On va crier ça, tu vas l'aimer. On fera tout pour que tu ressentes son amour. L'homme de Dieu est venu avec elle.
m'a rencontré et il m'a dit tout cela. Dieu, Seigneur, vraiment, tu viens de faire ce miracle. Ils ont suivi le Père, nous sommes venus à Gagnon, ensuite là-bas, ils m'ont reçu, ils ont dormi là-bas, eux-mêmes m'ont nourri, comme ils ont nourri ma tempête, ma fille, et nous sommes venus jusqu'ici avec l'aide de leur responsable là-bas. C'est lui-même qui a payé les transports, tout ça, nous sommes venus jusqu'ici. Donc, vraiment, passer un peu d'histoire difficile. Voilà, Dieu, merci, Dieu, merci surtout de m'avoir conduit ici parce que je vois déjà depuis hier. J'ai dormi là comme un nounou. Malgré qu'il pleuvait hier, il était froid, mais je disais ce matin à quelqu'un qu'il ne sait même pas comment il a pleuré. Parce qu'il a assez dormi, je me suis vraiment reposé parce que j'ai la délivrance. Vraiment, ton histoire est très émouvante. Vraiment, très émouvante. On te dit, Yako. Yako, really, j'ai retenu seule chose. Le diable est en train de t'éloigner de ta vie, que tu aimais bien. Or, c'est la stratégie du diable pour nous éloigner de ces personnes que nous aimons le plus. Mais, au-delà, il y a un miracle. Comment tu te retrouves ici? Parce que chaque homme de Dieu a sa spécialité. Nous n'avons pas mis dans les chaînes. Nous allons la libérer des chaînes. Parce qu'elle a des chaînes qui sont spirituelles. Et c'est ces chaînes-là que nous allons briser. Et tu as une dame. Demain sera une dame. So that she can be elle va s'occuper de toi. And take care of you. En réalité, le diable attaque les bonnes choses. Really? Si vous remarquez dans un village, quand on dit tel, tu vois la jeune forêt classée, c'est qu'en bas il y a l'or, ou il y a pétrole, ou il y a tout. Je vous donne la main dans la révélation. Sacred forest, vous allez attaquer les forêts sacrées. The sacred forest. C'est prouvé. Il y a une forêt sacrée quelque part, c'est que sous la terre là, forest, il y a des pierres précieuses, il y a quelque chose de précieux. Le diable vous aide, vous distrait, vous faites le coin sacré. Or, il y a quelque chose de précieux en dedans. Le diable attaque les bonnes choses. Precious. Elle est un avenir. She has bright future. Ta fille a un avenir. She has bright future. Je sens qu'elle est la professeure de français. Elle sera professeure de français. J'ai vu déjà son avenir, Dieu me l'a déjà montré. Et nous allons travailler dans ce sens-là. Pour l'envoyer dans cette destinée-là. To bring her this destiny. Nous allons faire un travail. Dans le micro à la fille. Qu'est-ce qui se passe? What do you have? Just 2 minutes. Comment tu t'appelles d'abord? Grandfather, what's your name? Je m'appelle Bogatina Nelly Truffel. Bogatina Nelly Truffel. C'est un temps abusé dans notre courrier. La petite, c'est la main de ma maman qui m'a donné ça. Quoi? Elle m'a donné ça, c'est une. Un jour, on était à la maison et puis elle a préparé, elle est venue à la maison. Et puis elle a dit à ma maman que aujourd'hui, dans ta fille, elle n'a qu'à manger que vous pouvez avoir donné à quelqu'un. Et puis quand elle est venue là, en ce moment, maman avait fini de préparer. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a donné et puis elle m'a éloigné de mes autres camarades que vous pouvez donner à quelqu'un. Donc pendant qu'ils mangeaient pour moi, les autres mangeaient pour eux. Maintenant, quand elle a mangé là, elle a mis, viande qui était dedans, elle a mis un morceau dedans, et puis il n'y avait pas os, il n'y avait rien dedans. C'était un morceau seulement, et puis elle a mangé. Quand elle a mangé la nuit, elle est venue me coucher, c'est comme si elle a vu quelqu'un qui était arrêté au mur, et puis la personne a m'appelé, qui est de me lever, elle est venue, elle est partie. Et puis elle a dit non, qu'elle ne veut pas, et puis la personne est venue m'attirer, et puis elle est partie. Après, là-bas, quand elle s'est partie, je me suis retrouvée dans un coin, il y a beaucoup d'hommes, ils sont habillés en noir. Et puis les chefs de là-bas, lui, l'a vu en rouge, et puis il a assis en rouge, on ne le voit pas. Puis il y a beaucoup d'hommes qui étaient autour de lui et puis qui l'adoraient. Maintenant quand, et puis il a vu ma grand-mère là-bas, et puis ma grand-mère m'a dit que ah, tu t'es retrouvé dans le monde ici là, le monde où tu t'es retrouvé là, il n'y a pas gentillesse ici, que c'est méchanceté, que alors là, tu n'es plus gentil, tu es méchant, que tu nous appartiens maintenant. Et puis ils m'ont dit que ah, la manière dont on voit ici, là, si tu veux que ici, ils m'ont montré beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de belles choses. Ah voilà, ils vont pouvoir faire miroiter les choses. Ils veulent ma maman, ils vont me donner tout ça là. Si la terre serait intelligente, elle serait bien. Et puis elle dit bon, prenez ma maman. Et puis ils ont dit que ah, comme ma maman s'en va accoucher, c'est là-bas, ils vont atteindre ma maman. Maintenant quand ma maman est partie accoucher, puis
Maman est décédée là-bas. Comment ils l'ont tué? Ils l'ont tué quand maman partait accoucher. Ils ont envoyé deux hiboux devant l'hôpital. Maintenant, quand les deux hiboux là sont venus, c'est les deux hiboux qui envoient une mission pour pouvoir tuer ma maman. Maintenant, quand les deux hiboux sont venus, quand ils se sont les partis, ils avaient fini de tuer ma maman et puis ils sont partis. Maintenant, quand maman est rentrée, elle est décédée là-bas. Maintenant, après, j'ai vu quand ils m'ont donné tout ça là. Quand ils ont fait ça, ils ne m'ont rien donné. Maintenant, ils me disent maintenant. Ils ne t'ont rien donné. Mmh. Ils t'ont bien dit que là-bas, là, c'est les méchants. Ah, ils t'ont déjà dit. Et puis il dit, il y a qu'à livrer mon papa. Et ça, il dit non, que vous m'avez blagué première fois qu'il ne veut plus donner mon papa. Et puis il dit, bon, si c'est comme ça, prenez le travail de mon père, prenez son argent et puis bloquez tout. Et puis laissez le papa, il va mourir. Donc c'est ça, ils ont bloqué. Et puis ils ont dit que comme on a bloqué l'un de ton papa, là, en plus, on va le faire. Un matin, on vous a dit le numéro particulier ne vous appartenait pas. Vous avez fait combien de temps de service? 17 ans. 17 ans. 17 ans. 17 ans de service, vous étiez payé tout ça? Et puis elle m'a dit non, bon, ça vous appartient pas. Ok. Non, on a déjà compris. Et puis ils ont bloqué l'un de mon père, ils ont pris, ils ont mis ça dans le canari. Et puis ils ont mis son bas d'un bois, ils ont tiré ça là-bas. Et puis elle m'a dit de ne jamais montrer ça à quelqu'un. Maintenant, après ça là, quand on a fini de faire ça, maintenant elle est décédée. Maintenant, quand on voit chez les hommes, quand on voit à l'église, quand ils me confessent qu'on devant les gens, puis ils vont me coucher là, ils viennent la nuit, frappent. Je pourquoi moi, ils les dévoilent, que si moi, ils font erreur de sortir dedans, eux vont me tuer, puis ils vont tuer mon papa. Ils veulent te tuer, c'est ça? Oui. Sinon, tu aimes ton papa? Oui. Tu as compris? Tu as compris? Écoute, ce que je vais t'expliquer, quand tu regardes un peu l'histoire, la petite fille n'a rien à voir avec. Bon, c'est pas trop exagéré, elle est qu'une victime aussi. Façon tu es victime, c'est comme ça qu'elle est victime. Parce que comme pour elle, là, c'est trop visible, on voit ça. Elle s'est retrouvée dans une histoire de sorcellerie. Un matin, une nuit, et puis cette fille, elle a commencé à exécuter les ordres de l'autre côté. Donc là, elle n'a plus cette force de quitter la sorcellerie. On va beau la frapper, on va beau la mettre dans une prison, ça n'a rien changé. Il faut une action très forte de Dieu pour la délivrer. La seule chose, c'est qu'elle reconnaît. Elle reconnaît sa sorcellerie. What she is practicing, which tu as envie de quitter. You want to leave? Elle a envie de quitter. Mais elle ne peut pas elle-même sa propre volonté. But you cannot do it. Mais en même temps, il y a des effets. Le dégât est énorme. Le papa qui reste là, c'est le papa qu'on détruit. Femme. Et puis, vous voyez comment les gens l'ont blagué. Can you see how something needs to be? Ok. Mais Dieu va la délivrer. Amen. Tu comprends? God is going to deliver her. Nous allons t'aider. We're going to help you. À apporter un soutien. To bring the support. Si tu es d'accord. If you agree. Avec ton accord. Nous avons un orphelinat. We have an orphanage. Après, on ira ensemble voir l'orphelinat. We shall go together. Vous allez signer un protocole d'accord pour dire avec votre accord que nous allons l'aider. Nous allons la délivrer. C'est la chose la plus sûre. Mais il faut qu'elle retourne à l'école. But she needs to go back to school. Ça c'est important. Il y a son avenir à l'école. Her future is at school. Et nous allons l'aider. We can nous allons t'aider à l'éduquer. Help you educating her. Je donne 15 000 francs. I give you 15. Et tu vas prendre ma voiture. Je donne mon chauffeur. All my friends. Après la prière, tu vas aller toi-même acheter quelques habits. Il faut qu'elle sente que tu l'aimes. Tu comprends? To know that tu vas aller acheter quelques habits, les pas dentifrice, c'est qu'elle dont la besoin. To fast, to et dans la voiture, dis-lui que tu l'aimes. And the God came without you love her. C'est pas facile. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus-Christ, que l'amour du Père à l'égard de sa fille, que l'amour revienne, Jésus-Christ, et que le diable soit humilié, nom de Jésus-Christ, la sémence qu'il avait mise dans le cœur de son Père,
La haine, sa fille est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il voit sa fille comme sa fille, pas comme son ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Satan est un menteur. Il est vaincu. Nous détruisons ses œuvres. Seigneur, merci pour ton serviteur. Que tu libères ce soir. Au nom de Jésus-Christ, de toute cette forme de haine qu'il avait en l'égard de sa fille. Merci notre Dieu de restaurer sa vie. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vois, papa t'aime beaucoup. Tu comprends? Papa t'aime beaucoup. Donc tout à l'heure, ce que tu as fait, il faut lui dire, je mets ma voiture tout à l'heure. Il faut qu'elle sente, parce qu'elle a besoin de ça. On se sent mieux à l'aise chez soi. On va nous-mêmes la prendre, mais elle se sentira mieux à l'aise quand elle attendra la voix de son père. Et ça, on va crier ça. Mais je pense que c'est l'exaucement de ta prière. Tu as aussi prié. C'est vrai que tu la fuyais, mais tu priais. Tu n'étais pas aussi à l'aise. Et Dieu t'a exaucé. Là où elle est venue, là, c'est fini, Dieu est exaucé. Amen. C'est le premier. C'est le terminus. Tu viendras ici. Tu es maintenant mon fils. De temps en temps. Et c'est important. Va te rappeler. Tu dois venir. Parler avec elle. Lui dire. Retourner son amour pour lui dire. Je vis voir que tu l'aimes. C'est le diable qui vous a divisé. Le diable divise pour mieux régner. Cette fille, elle n'a pas besoin d'être rejetée. La sorcellerie, ce n'est pas un fait en soi. Quand on est sorcier, on peut être délivré. Tu veux délivrer? Tu veux délivrer? Yes. Nous aussi on t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Nous t'aime beaucoup. Tu vas grandir bien. Et puis demain tu seras grand. Ça va. Yako. À toi que je parle, je m'adresse à toi ce matin. Quitte la vie de cette fillette. Tu dégages de sa vie. Toi. 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 Qui est en elle. Toi qui es en elle. Je m'adresse à toi ce matin. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Leave her alive. Je libère son âme. Release her soul. Va-t'en. Come out. Va-t'en. Go. Lâche son âme. Leave her soul. Ce corps. This body. Ne t'appartient plus. Does not belong to you. Ce corps là. Ne t'appartient plus. Does not belong to you. Quitte son corps. You leave your body. Et la puissance de Dieu s'installe en elle. Ton pouvoir est vaincu. Your power is overcome. Quitte son cœur. Leave your heart. Libère sa vie. Release her mind. Elle a besoin d'être heureuse. She to be. Elle a besoin d'affection. Regarde comment tu l'as rendue malheureuse. Satan. Toi, démon. Tu l'as rendue malheureuse. Devil. Mais Jésus-Christ la libère. Maintenant. Sa puissance. La libère. La puissance de Dieu. Power of God. Libère. Reçois. Receive. Or son démon n'est pas aussi fort. Elle n'a pas aussi un démon de si plus fort. Quitte son cœur. Quitte sa vie. Leave her life. Quitte sa vie. Leave her life. Va-t'en. Come out. Va-t'en. Va. Va. Go. Va. Go. Va. Libère-la. Quitte son cœur. Leave your hands. Puissance de Dieu s'emparte. Tu transformes son existence. Tu transformes sa vie. Amen. Voyez mon chauffeur. Allez-y. Tu vois Cramo, allez le chauffeur. Donc allez au marché.
peux acheter. Achète ce que tu peux acheter pour elle. Fais-le comme ça. Qu'elle sente que ça vient de toi. Voilà, sois béni. Il faut qu'elle sente que ça vient de toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yeah.